Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une morning routine un petit peu spéciale puisque je ne suis pas chez moi en Angleterre, je suis en France chez mes parents. Je suis venue passer une semaine et en plus de ça, c'est pas ma maison d'enfance puisqu'ils ont déménagé il y a franchement même pas 6 mois. Donc c'est une maison que je connais pas tant que ça. Donc voilà, je me lève le matin de bonne heure puisqu'en Angleterre, en fait, on n'a pas de volet, ça n'existe pas. Et maintenant, bah, je suis habituée à dormir sans volet, je trouve que c'est quand même plus simple pour se réveiller. Donc après un petit passage express par la salle de bain, je me prépare un petit déj. Donc là, c'était pancakes aux pépites de chocolat. Je vous mettrai la recette en barre d'infos puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc vous trouverez tout en barre d'infos. Donc comme la plupart des gens, je déjeune devant mon ordinateur ou devant mon portable. Donc là, j'en ai profité pour aller un petit peu sur YouTube pour voir ce qui se passait, pour aller lire les commentaires, répondre à vos commentaires, voilà, voir un petit peu ce qui se passe, faire le petit tour habituel du matin. Et j'en ai également profité pour mettre en ligne sur le blog l'article du jour. Et là, c'était l'article sur l'autre beauté de Caudalie. Et ensuite, on peut passer aux choses sérieuses. On va passer au sport. Donc là, j'enfile mes baskets. Donc ce sont des baskets Nike. Les Free Run 5.0, il me semble bien. Vous allez voir que je suis sponsorisée entre guillemets par Nike. Je sais pas pourquoi, mais franchement, c'est une marque que j'aime énormément. Donc je porte une brassière grise. Merci pour l'appareil photo qui n'a pas voulu focuser. Un t-shirt noir et un leggings de sport noir. Et si vous posez la question sur la petite montre et le petit truc en dessous de ma brassière, tout simplement, en fait, c'est une montre Polar. Donc vous accrochez les petites électrodes, vous les humidifiez, vous le posez le plus près de votre cœur et vous branchez votre montre, ça va calculer votre fréquence cardiaque, ça va calculer le nombre de calories brûlées pendant votre séance. Et alors, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et au niveau du sport, puisque là je suis une semaine en France, je vais clairement pas m'inscrire dans une salle, donc je fais le sport à la maison. Donc c'est une Sanity, c'est une mélange de cardio plus renforcement musculaire, et franchement c'est hyper intense, ça dure 45 minutes et à la fin vous êtes en transpiration. Et puis pour compléter un petit peu la chose, j'ai décidé de faire quelques petits exercices d'abdos, de gainage. Donc ma séance a duré un peu plus d'une heure et j'ai donc brûlé 550 calories, donc je suis plutôt fière de moi. Ensuite, je passe directement à la douche, donc voilà les produits que j'ai utilisés. Ce sont les produits que j'ai trouvés chez mes parents, puisqu'encore une fois, j'allais pas ramener tout mon chez moi chez eux. Donc voilà, après la douche, je m'habille, je vais venir me sécher les cheveux tout simplement. Et franchement, je me prends pas la tête, je les sèche à la va-vite. Puis je vais venir les lisser, et encore une fois, franchement, je me prends pas la tête, j'ai lisse très brièvement. Habituellement, j'utilise un GHD, mais bon, bah là, je l'avais pas amené. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et puis, au niveau de la tenue, je porte un sweat que j'ai trouvé à Londres. Je crois que c'est dans une boutique qui s'appelle Sling ou Sting. En gros, c'est dès que vous sortez de Piccadilly Circus, en face du métro, il y a une énorme boutique. Je l'ai trouvé là et j'ai trouvé mon collier chez H&M. Au niveau du make-up, rien de plus simple. Franchement, c'est mon make-up quotidien. Je vais pas vous mentir, c'est ultra simple. Donc, je commence par appliquer un fond de teint. Donc là, c'est un fond de teint de chez Maybelline. C'est le Dream Velvet ou Dream Velo, je sais plus comment il s'appelle en France. Je poudre, je mets même pas d'anti-cerne, juste je poudre. Ensuite, je viens mettre un petit peu de blush. Donc là, c'est le rocateur de Benefit pour me donner bonne mine. Niveau sourcils, je viens juste les coiffer, les brosser, les combler un petit peu avec ce petit mascara à sourcils d'Urban Decay. Ça me prend franchement pas plus que 30 secondes par sourcil. Et là, vous allez voir au niveau des yeux, encore une fois, c'est ultra rapide. Je viens juste prélever un fard marron que je dépose au niveau de mon ras de cils pour donner un petit peu plus d'intensité au regard. Et je termine par une bonne couche de mascara. Donc là, c'est un de mes mascaras favoris. C'est le velours velvet volume, je ne me rappelle plus de son nom, de chez Marc Jacobs. Et je termine par une touche de lip gloss sur les lèvres. Et voilà le résultat. C'est frais, c'est léger. Je trouve que c'est largement suffisant pour tous les jours. Donc voilà les filles, ma routine est maintenant terminée. Je vous fais plein plein de gros bisous, à très vite.